Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 19 février 2022, direction l'hippodrome de Cannes-sur-Mer pour le prix Jacques Geliot, quatrième course de la Réunion 1, où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Une fois encore, c'est un handicap divisé de première épreuve qui sera proposé aux turfistes français. Sur le parcours des 1500 mètres d'une piste en gazon annoncée très souple, il ne faudra pas hésiter à élargir ses jeux et à faire confiance aux pilotes affichant une grande forme en ce moment. Une chose est sûre, les rapports de son handicap vont chanter. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 3, Pegasus. Confié à un Christophe Soumillon marchant sur l'eau depuis le début de l'année et présenté par une écurie Vermeulen en tête du classement des entraîneurs, il peut s'imposer pour son retour sur un terrain très souple. En deuxième choix, le numéro 8, Gold Captain. Ce pensionnaire de Christelle Courtade effectue un long déplacement pour courir ici. En grande forme et enchaînant les bons résultats depuis le début de l'année, il peut gagner son quintet plus. En troisième choix, retrouvons le numéro 10, Closter. Édouard Montfort l'aime énormément et comme il vient de s'imposer comme à la parade avec le numéro 3 dans les stalles de départ, il peut logiquement vaincre dans ce lot. En quatrième position viendra le numéro 13, Carlton Choice. Hugo Boutin est aux commandes pour son père Mathieu et comme le cheval est en grande forme et vient de s'imposer ici même dans la catégorie des réclamés, il effectue un retour qui peut s'avérer victorieux dans les quintés plus. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 12, Innovateur. Branché parfois sur courant alternatif, s'il dispose d'un bon parcours et est dans un bon jour, il peut lui aussi prétendre à l'une des 5 premières places. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 11, Pizzorno. Gianluca Bietolini le trouve parfait depuis sa récente victoire au début de meeting, et comme il a encore ses œillères pleines, il faut le retenir en haut. En avant-dernier choix, le numéro 14, Chopval. Venant de tout montrer, ce pensionnaire de Nicolas Perret tente sa chance au niveau Quintet Plus avec de légitimes ambitions. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 9, Aiguillère d'Argent. Décevant depuis son arrivée dans les box de la famille Prodhomme, il va tenter de remettre les compteurs à zéro aujourd'hui. En cas de non partant, le numéro 15, Vautrin, très bon punisseur lors de ses deux dernières tentatives, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 € sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier jeudi, Top Prono vise une nouvelle fois juste en indiquant tiercé désordre de 105 €, quarté désordre de 166 € et surtout le quintet dans le désordre, ce dernier affichant un rapport de 516 € tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant un abonnement VIP turf-fr.com.